La France a envoyé un émissaire pour une visite de 2 jours au Liban, pays meurtri. Le président libanais est toujours attaché à l'initiative française destinée à sortir son pays de la crise économique et politique. Michel Aoun l'a redit à Patrick Durel, l'émissaire du président Macron. Patrick Durel doit rencontrer les principaux ténors politiques du pays à qui Emmanuel Macron avait donné un délai pour former un gouvernement de mission. La formation d'un gouvernement chargé de réformes structurelles aurait déclenché en échange une aide financière de la communauté internationale. Mais au lieu de cela, le Liban peine à dépasser les divisions internes et le Premier ministre Saad Hariri, rappelé aux affaires, n'a pas encore formé ce gouvernement réclamé par la France. Une conférence internationale de soutien au Liban devrait avoir lieu fin novembre. Son objectif, la reconstruction du port et des quartiers de Beyrouth touchés par la double explosion qui a fait plus de 200 morts et 6500 blessés le 4 août dernier.